BFM, il a utilisé mes images. Tu me diras où je me fais voler mes images toutes les semaines, de toute façon. Est-ce que vous pensez que le mec de l'AFP, le mec de BFM, le mec de LCI, ils vont filmer de bout à bout? Ils vont prendre le temps de venir écouter ceux qui ont des choses à dire? Bah non, ils font des petits plans comme ça. La caméra pèse lourd, hein. C'est fatigant. Tu prends 5 minutes, après tu te barres. Ils vont pas faire 7h, 8h, 9h, quoi. Bah non, c'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est filmer des feux de poubelle. Ok, vous me dites alors, ça m'intéresse. Il y a une ligne où il y a écrit maintenant. Dites-moi, envoyez-moi pour que je sache qui a repris mes images. Je vois pas comment ils ont pu reprendre mes images, mais bon, ah, peut-être, hein, je sais pas. Enfin. Maintenant, tu nous dis même chose au Québec, les journalistes ne donnent jamais le nombre exact de participants dans les manifestations. Quoi? Tu dis quoi, toi? Le complotiste, t'es à deux doigts, je te dégage. J'en ai un qui me dit, je vous fais part Facebook. La FNAC recherche un expert au rayon tech. Je te donne ce tuyau parce que tu es un mec bien. Le complotiste, tu cherches du boulot, t'es insoumis, tu dégages. Tu te prostitues, tu dégages. André, tu me diras lesquels si tu peux. Ouais, Luc, je vous en parle en seconde partie. Il y a une grande partie qui est du bluff. Vous vivez dans une illusion. On vous dit des choses, vous prenez peur. Vous êtes des poules apeurées souvent. La moindre chose vous fait peur. Ah, gna gna, c'est obligatoire, gna gna gna, l'école est obligatoire. Vous vous racontez des histoires, vous ne savez pas dans quoi vous vivez. L'école n'est pas obligatoire. Univers, terre humain, tu dégages. Quoi ces questions là, con? Je fais pas un direct sur Jim Leveillard, je le connais pas. Ça va quoi? Non mais c'est quoi ces questions là? Je fais pas des directs sur les diffuseurs, c'est quoi ces égos là? Non mais les poules, voilà, c'est les poules quoi, c'est tu veux passer les portiques. T'es apeuré, tu penses te faire bouffer par un loup. Et l'école n'est toujours pas obligatoire. C'est les effets d'annonce qui nous ont fait peur pour vous faire croire beaucoup de choses. Mon avis sur une grève générale? Ah, c'est vrai qu'on en a parlé hier, une grève générale. Le complotiste, insulte pas mon intelligence. Et insulte pas l'intelligence de ceux qui sont dans la room, s'il te plaît. Depuis que je diffuse depuis 62 mois. Ce matin à Boulogne. Non, c'était hier. Depuis 62 mois. Non mais je fais un direct, hein, c'est show business, hein, 2.0. Et comme c'est le show business, chacun sert, c'est pour faire connaissance, hein, chacun sert un petit peu de tout le monde. C'est de la manipulation. Je me sers de vous, tu te sers de moi, je me sers de toi, tu te sers de moi. Tu me fais du bien, je t'envoie mes idées, tu récupères mes idées, je t'envoie les miennes. Quelque part, je sais plus. On parlait des poules, manipulation, vous me mettez pas mal de choses. Et c'est à chaque fois, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je pense des médias officiels? Ce sont les médias officiels qui doivent la fermer. Voilà ma réponse. Qu'est-ce que je pense des médias officiels? J'ai pas envie d'en parler, je les envoie bouler, je les envoie... Je m'en fous d'eux. Je suis pas parti pour chercher du boulot. Donc s'ils m'en proposent, je les vire. Faut arrêter de chercher du boulot, quoi. Vous faites du mal. Mais comment tu penses que c'est débarrassé? Alors vous allez me dire comment en trouver. Mais à partir du moment où t'arrêtes de chercher, t'en trouves. Je suis énervé. Bah t'as vu le niveau? On est là, je sais pas si c'est les vacances, je sais pas ce qui se passe, mais on a donc un élevage de quoi? De poules, là? Un élevage de trolls? Ah, parce que évidemment, j'ai fait 1600 abonnés en deux jours. Me dis pas que YouTube m'a ouvert la cage aux abrutis, quand même. Bon, si t'es pas à la hauteur... Catherine, ah c'est cool. Si t'es pas à la hauteur, tu t'en vas. Mais 1600 abonnés, ils m'ont quand même pas mis 1600 trolls. Ça vient quoi? D'avoir des simultanés des manifestations du 17 dans plus de 100 villes de France. T'as l'impression que je vais aller dans 100 villes de France en même temps? Bizarre aujourd'hui l'ambiance. Bah ouais, c'est le point de rupture. C'est le point de rupture. C'est pas de la manip, c'est l'enrichissement. Ouais. Bah oui, ça va, Josette.
Il n'y a pas de hasard. Merci Myriam, évidemment. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous choisissez